Bonsoir à tous et merci d'être venus pour ce deuxième talk des Home Talk 7 dont l'intitulé un peu obscur est DevOps of Things. Donc, de quoi va-t-on parler ? L'idée, donc c'est un sujet relativement technique. L'idée, c'est de parler des outils de développement pour tout ce qui est embarqué en général. Et donc, pour prendre un sujet qui est plus à la mode en ce moment, c'est parler d'Internet des objets. On parle d'Internet des objets, on est plutôt in. Il y a 5 ans, on aurait parlé d'informatique embarquée. Il y a 10 ans, on aurait parlé de système industriel. Tout ça, c'est grosso modo la même chose. Donc, l'idée, c'est... moi et quelques autres, on est arrivé à un constat, c'est que aujourd'hui, les outils de développement dont on disposait ne nous satisfaisaient pas. Et surtout, on avait l'impression que c'était un petit peu les mêmes qu'il y a 10 ans. Alors que partout ailleurs, il y a eu des évolutions majeures, que ce soit sur les outils bureautiques, les outils de communication, les navigateurs, la gestion des mails, tout ça. Il y a eu des évolutions majeures sur les 5 et 10 dernières années. Et bien, pour tout ce qui est électronique et industrie, ça n'a pas eu lieu. Donc on a réfléchi, on a fait un constat dont je vais vous parler et puis on a essayé de proposer quelque chose d'autre. Alors pourquoi DevOps ? Pourquoi j'ai utilisé ce terme DevOps ? Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, DevOps c'est un anglicisme qu'on commence à voir sur internet et sur les réseaux sociaux depuis 2008-2009 en gros. C'est le rapprochement de developer et operation. Donc en fait, c'est dans les systèmes d'information et les systèmes informatiques d'entreprise, c'est ceux qui développent et ceux qui exploitent. Et il se trouve que dans les entreprises, ceux qui développent et ceux qui utilisent, ils ont souvent des objectifs qui divergent. Les développeurs cherchant à faire des solutions qui sont techniquement faciles à maintenir, et les exploitants, ils ont des contraintes métiers qui ne correspondent pas forcément à ce que les développeurs ont envie de faire. Et donc, l'idée des DevOps, c'est d'essayer de remettre un petit peu ensemble toutes ces personnes pour avoir des outils qui sont un peu plus cohérents et qui tiennent compte des contraintes des uns et des autres. L'idée, c'est d'avancer ensemble et de ne pas avoir des équipes séparées. Alors pourquoi j'ai utilisé ce terme ? C'est parce que dans l'industrie, dans l'électronique et dans les outils liés à l'embarquer, on a un petit peu le même problème. C'est que d'un côté, il y a des gens qui ont des besoins, qui construisent, qui conçoivent, qui font des choses avec des systèmes électroniques industriels. Et puis d'autre côté, il y a des éditeurs qui mettent à disposition des produits qui sont relativement décorrélés des besoins du terrain. Donc voilà pourquoi mon utilisation de DevOps, du mot DevOps. Et derrière tout ça, ce dont je vous parlais, c'est d'un projet que je co-porte avec d'autres personnes, qui s'appelle Colab, et qui vise à proposer un outil de développement collaboratif dédié à l'embarquer. Mais je vais y revenir. Alors tout d'abord, quand on parle d'embarquer, de quoi parle-t-on ? Alors, je ne connais pas les profils des uns et des autres. Donc quand j'utilise le mot embarquer, j'imagine que ça appelle des choses différentes. Donc ça peut aller de rien du tout, je ne mets rien derrière ce terme, jusqu'à avoir des images très claires de voilà, c'est une carte, c'est un système industriel, c'est un ordinateur, c'est plein de choses. Donc, si je devais tenter une classification à la hache, embarquer, d'une façon générale, c'est quand on a un système informatique, mais qui ne s'utilise pas comme un ordinateur. Donc il n'y a pas un utilisateur derrière avec un clavier sur un écran, mais grosso modo, c'est un ordinateur. Donc ça peut aller du distributeur de billets jusqu'à le système de contrôle de votre machine à laver qui est de plus en plus logiciel, en passant par le parcmètre qui est de l'autre côté, qui maintenant est connecté, qui permet de transmettre plein d'informations au reste du monde, ou aux panneaux publicitaires qui vont faire plein de choses. Tout ça, ce sont des ordinateurs. Si ce n'est que ce sont des ordinateurs qui ne sont pas des ordinateurs, donc on parle d'informatique embarquée. Dans l'embarqué, on va pouvoir, je vais tenter, pour les besoins de ce talk, une séparation en deux catégories. En gros, il y a des systèmes où ce sont des vrais ordinateurs derrière. Alors, plus ou moins miniaturisé, plus ou moins compliqué, peu importe. Mais ce sont des vrais ordinateurs, et donc, on peut travailler dessus comme on travaille avec des ordinateurs. Donc, on peut mettre un système d'exploitation, mettre des logiciels, les mettre à jour, les maintenir, faire plein de choses avec. Et puis, de l'autre, on a des systèmes qui viennent plus de l'électronique, et qui ont généralement des contraintes un peu plus fortes. C'est-à-dire que, quand on regarde, par exemple,
le système de contrôle d'une machine à laver. À la base, c'était un système électromécanique. On tournait le bouton, il y avait un ressort dedans qui faisait avancer les choses, qui faisait que ça provoquait plein d'événements dans la machine. Et quand on s'est mis à faire de l'électronique dedans, ben on était toujours avec les mêmes contraintes que quand il y avait le système électromécanique. Donc c'était drivé par un besoin qui était beaucoup plus physique, dur, machine allemande. Voilà. Et donc, on a deux mondes. Alors, on les mange souvent parce que tout ça, c'est derrière le grand terme, on parle d'embarquer, mais ça cache vraiment deux réalités distinctes qui sont, d'un côté, il y a ceux qui peuvent développer comme s'ils étaient sur un ordinateur, et il y a l'autre, de l'autre, ceux qui doivent un peu se plier aux contraintes du matériel de leur environnement. Ok. Aujourd'hui, c'est plutôt ceux-là qui m'intéressent parce que ceux qui sont sur des systèmes purement informatiques, aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent déjà, qui sont adressées. Alors, on pourrait se lancer dans un long débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, peu importe. Mais il y a déjà plein de choses qui existent. Par contre, pour ceux-là, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus la mise. Donc, si on regarde sur les systèmes électroniques, on peut faire deux constats. Le premier, c'est que plus on se rapproche du matériel, plus on se rapproche de l'électronique, de la mécanique en dur, plus on est sur des outils logiciels spécifiques. C'est-à-dire, quand on parle d'un ordinateur, on a le choix de dire, on a 25 systèmes d'exploitation qui sont disponibles. Par exemple, si on prend juste le cas de Linux, on a 40 distributions qui sont disponibles. Si on prend une distribution, on a 25 versions qui sont disponibles. On a un choix qui est assez conséquent. Et plus on se rapproche de systèmes physiques, de systèmes électroniques réels, d'une part, moins on a de choix. Et d'autre part, on a des outils qui sont généralement plus privateurs, plus fermés et moins maintenus. Si je peux me permettre une parenthèse, au jour d'aujourd'hui, sur ma machine, je suis obligé de maintenir libc5. Alors ça parlera à ceux qui utilisent Linux. Je suis obligé de maintenir une libc5 parce qu'il y a des outils d'un éditeur qui est le seul et qui a le monopole, qui ne veulent pas mettre à jour son système depuis 15 ans. Voilà. Donc, on se retrouve avec des contraintes comme ça. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Deuxième constat, quand on est sur des systèmes physiques, tangibles, on n'est pas dans un environnement super user-friendly pour travailler depuis son ordinateur. Alors, que ce soit un ordinateur fixe, un laptop, n'importe quoi, on n'est pas sur un environnement super, super agréable. C'est généralement des modes de branchement qui sont spécifiques avec des bus qui ne sont pas des bus standards de l'informatique et en général, ou même quand on est sur un même bus, les différentes marques ne sont pas compatibles entre elles. Donc, quand on veut travailler, quand on est un développeur ou quand on est un passionné qui veut bricoler un système ou quand on est juste un créatif qui veut se dire ce truc-là, je le réutiliserai bien pour faire quelque chose qui n'était pas prévu au départ et qui n'a rien à voir, on est bien embêté parce qu'en fait, il y a un certain nombre de barrières à l'entrée qui font que faire le premier projet, c'est quand même super compliqué. Alors, ce que j'évoque là, je ne suis pas le seul à avoir fait le constat. Ça fait un petit moment qu'il y a plein de choses qui bouillonnent, qui sortent et qui arrivent. Et il se trouve qu'on voit un petit peu émerger depuis quelques années une tendance qui est d'aller vers l'édition, enfin les outils en ligne. J'adore, c'est super. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont sortis. Qui permettent d'avoir des outils de développement logiciel qui soient accessibles depuis une page web. Alors c'est plus ou moins des outils qui sont à télécharger, à installer, c'est plus ou moins des outils qui sont disponibles en SaaS. Donc là j'ai fait une toute petite liste. Ceux-là c'est plutôt des outils qui sont proposés, vous les sur GitHub et puis vous prenez le code et puis vous vous débrouillez pour réussir à le faire tourner. Les deux autres c'est des outils plus propriétaires mais qui sont déjà disponibles, accessibles en ligne. Donc Embed c'est le plus connu, enfin, c'est celui un petit peu qui a démocratisé l'idée de l'outil en ligne pour l'électronique. Donc c'est un environnement de développement qui est fait par et pour les processeurs ARM. Alors pour ceux qui ne parlent pas, ARM c'est le type de processeur qu'il y a aujourd'hui dans quasiment toutes les box, les trois quarts des téléphones au niveau mondial, c'est
c'est peut-être pas le numéro 1 des cœurs processeurs aujourd'hui, parce qu'il y a quand même le marché des ordinateurs qui est drivé par Intel, mais après ça, c'est le deuxième ou le troisième acteur. Donc ils ont fait un super outil. Si ce n'est que petit 1, ça marche que entre eux. Et petit 2, c'est que pour la phase de développement, d'écriture, du programme, du projet, de tout ce qu'on veut. Et puis après, ben, on a quand même toujours les mêmes contraintes de comment est-ce qu'on met sur la carte, comment est-ce qu'on se branche, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on fait plein de choses. Et le deuxième que je cite là, alors celui-là, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un truc qui est très très prometteur. C'est, vous connaissez Eclipse, vous avez entendu parler d'Eclipse. Eclipse va bientôt proposer une version qui sera en ligne, qui s'appelle Che, et qui sera prévu pour aller vers l'édition de code en ligne, y compris destinée à l'embarquer. Alors ça, ce sera pour demain. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait une réalité, mais c'est un projet super prometteur. Donc, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Donc, depuis quelques années, je dis chouette, ça arrive. Mais malgré tout, ça reste, on est toujours dans ce même schéma, d'un côté les développeurs, de l'autre côté les utilisateurs, et ceux qui ont développé des outils en ligne, ils ne sont pas préoccupés qu'à un moment donné, il fallait aussi pouvoir travailler physiquement sur des machines, donc sur des cartes parce qu'on a envie de bricoler sa cafetière pour lui demander de faire radio réveil, ou que dans l'industrie on a besoin de pouvoir piloter un automate pour une chaîne de production quelconque. Et donc la fin de la chaîne elle est toujours pas là, et si ça a apporté un petit plus à un moment donné au niveau de l'édition, on reste toujours sur sa fin parce qu'on n'a toujours pas un outil complet. Donc l'idée de Collab, c'est d'essayer de rapprocher un petit peu tous les besoins et de se focaliser sur, ok, l'utilisateur qui va vraiment bosser, de quoi est-ce qu'il a besoin. Et donc, l'idée du projet Collab, c'est de proposer un outil, enfin, c'est de créer et de proposer un outil de développement destiné à l'embarquer au sens large. Donc ça peut être de ceux qui développent juste du logiciel à ceux qui développent du logiciel et du matériel, donc et de l'électronique et de la mécanique et plein de choses, en se focalisant sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur simplifier la vie le plus possible. Tous les petits trucs que nous, on aurait aimé avoir à un moment donné. Alors, d'où est-ce que ça vient, Collab ? En fait, on est 3-4 à travailler avec une bande d'anciens collègues et copains et amis, enfin voilà, quelques-uns à se connaître depuis un petit moment, à travailler tous dans l'embarqué. Et à chaque fois qu'on veut se filer un coup de main entre nous sur des projets, on se retrouve toujours dans le même problème de comment est-ce qu'on fait pour accéder à la carte si je suis allé chez machin, j'ai pas la bonne version du compilateur, ça marche pas, j'ai pas la bonne version de la librairie, j'ai pas le même comportement que toi, c'est pas bon. Donc à la base, Collab, on a commencé à se développer un outil pour nous, en disant comment est-ce qu'on pourrait faire pour travailler plus efficacement. Et puis à force d'en parler, en fait on s'est rendu compte que non seulement, on le savait déjà un petit peu, c'était un besoin que plein d'autres gens avaient autour de nous, mais surtout, plutôt que de faire ça juste pour nous dans notre coin, on peut peut-être le proposer à d'autres et du coup essayer d'une part d'apporter un outil sympa pour les gens qui le souhaiteraient, et puis d'autre part, après ceux qui veulent contribuer, open. Donc on a commencé à développer un outil. Alors je peux vous dire, ça fait plein de trucs. On peut développer en multiplateforme, on peut développer sur plein d'entités, on peut développer sur plein de trucs. Puis en fait, on s'est rendu compte que quand on voulait dire on a fait un super truc et puis on voulait l'expliquer à des gens, c'est super compliqué. Alors j'essaie d'aller vite, j'essaie de vulgariser. Je suppose que déjà percevoir tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas forcément super simple. Alors on s'est dit, ok, c'est compliqué de communiquer, donc on va faire un cas d'exemple. Donc on a développé une carte qui s'appelle Ecologic. C'est une carte de développement FPGA. Alors, je ne sais pas qui ici connaît ou ne connaît pas les FPGA. Dans le monde des systèmes électroniques, il y a un composant qui est un petit peu partout, c'est un microprocesseur. Un microprocesseur, c'est un composant électronique physique qui va prendre, depuis une mémoire quelconque, un ensemble d'instructions à exécuter, qui va les faire. Cet ensemble d'instructions, c'est le logiciel. Un FPGA, un petit peu différent. FPGA, c'est dans un même boîtier, on va avoir des milliers ou des millions de portes et de transistors qui ne sont pas interconnectés entre elles de base. Et on va pouvoir définir logiciellement comment on souhaite
qu'elles soient interconnectées dedans. Et du coup, on va pouvoir recréer tout un tas de fonctions. Donc, on pourrait recréer un processeur, mais aussi n'importe quelle autre fonction électronique numérique. Juste en indiquant logiciellement, bah, je souhaite que telle porte soit reliée à telle autre et elle fasse telle chose. Donc, on a plein de portes. Et donc, du coup, dans un même composant, on pourrait dire, bah, à un moment donné, j'ai besoin d'un processeur truc. Je charge un processeur truc dedans. Puis le lendemain, j'ai besoin d'un processeur tartampion. Sans rien changer à la carte et dans le même composant, je peux mettre un processeur tartampion dedans. Alors, ça ne va pas tuer le monde des microprocesseurs. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Et ce n'est pas la solution ultime à tous vos maux. Parce que du coup, la contrainte, c'est que du fait qu'on ait un composant qui ne soit pas dédié à une application, on sera toujours moins performant que la même fonction mise dans un composant dédié. Donc si on fait un processeur tartampion dans un composant, soit il sera plus lent que l'origine, soit il sera plus cher, parce qu'il faudra un FPGA qui sera d'une technologie supérieure. Voilà. Donc, on a deux indicateurs, c'est la vitesse et le prix. On peut avoir la même chose pour beaucoup plus cher ou pour le même prix moins rapide. Mais on peut faire toutes les fonctions imaginables, et donc du coup, on peut aussi imaginer travailler différemment. Je ne sais pas si vous avez vu la news qui est passée la semaine dernière. Il y a une université américaine qui a lancé un nouveau composant qui contient 1000 cœurs processeurs. Une grande partie a d'abord été développée sur FPGA pour tester. Parce que du coup, on se trompe, et j'efface, je recharge. Ça coûte moins de temps et moins d'argent que de fabriquer un composant. Donc, les FPGA, ce sont des composants qui sont super sympas, qui permettent de faire plein de choses. C'est juste un cauchemar les 10 premières années quand on veut commencer à travailler avec. C'est un cauchemar pour plusieurs raisons. La première, c'est que fondamentalement, la manière de... J'ai dit tout à l'heure, on écrit logiciellement ce qu'on veut que ça fasse matériellement. Et donc, la plupart des gens, moi et aussi d'autres, alors peut-être pas tout le monde, je ne sais pas, on commence par prendre ça comme un logiciel. C'est-à-dire on se dit, bon, bah, ok, on écrit du code, ça, on va décrire logiciellement comme si c'était un logiciel informatique. Et puis il se trouve que c'est un peu une illusion parce que dans un FPGA, en fait, c'est un petit peu comme si on disait, bah, tout va s'exécuter en même temps. Et tout va s'exécuter en même temps, tout le temps. Donc en fait, on ne peut pas faire de système séquentiel, on ne peut pas faire. Il y a tout un tas de structures où il faut commencer par admettre qu'on ne sait rien faire, admettre qu'il faut repartir de zéro. Le chemin n'est pas forcément facile. Donc, imaginons, ok. On a admis, on s'est rendu compte qu'il fallait 3-4 jours pour faire clignoter une LED, on a accepté le principe. Ok. On dit, ok, c'est bon, je suis parti, je vais commencer. Et puis alors là, il y a le problème de quel outil pour travailler dessus. Alors je ne sais pas si certains ont déjà testé, essayé de travailler sur des FPGA, mais en fait, il y a deux problèmes. Il y a réussir à installer les outils du fabricant. C'est pas rien, hein. Pour faire clignoter une LED, il faut. En général, entre 2 et 3 gigas de logiciels installés, faut un certain nombre de pages, faut un certain nombre de configurations particulières, faut un certain nombre de trucs, c'est pas super sympa. Et surtout, il faut passer la deuxième phase, c'est connaître tous les bugs de l'éditeur. Parce que aujourd'hui, tous les éditeurs du commerce ont un certain nombre de bugs qui sont plus ou moins bloquants. Et tant qu'on les connaît pas, ben, on peut se dire, c'est moi qui fais n'importe quoi, c'est moi qui fais un design qui marche pas. Alors, c'est un peu négatif ce que je dis, c'est parce que je vais vite, mais c'est à peine exagéré. Hein. Réellement, on passe beaucoup de temps et je vois un monsieur là-bas qui fait oui de la tête assez régulièrement lorsque je parle, qui pourra éventuellement vous confirmer certains de mes dires. Et donc, on trouvait dommage d'avoir des composants qui sont si sympas, si novateurs et si peu utilisés. Donc on s'est dit, bah, ok, on prétend faire un outil qui permet de simplifier la vie des gens, on va prendre un composant qu'on aime bien et qui est vraiment compliqué à utiliser et on va essayer d'en faire un truc simple d'accès, qu'on a imaginé écologique. Alors, on ne peut pas tirer tous les lauriers à nous. Ça a été possible parce que l'année dernière, il y a deux personnes, un Autrichien qui s'appelle Clifford Wolf et un de ses collègues dont j'ai oublié le nom, qui ont sorti des outils logiciels qui permettent de faire le design sur ce type de composants avec des logiciels libres. Donc ils ont fait un super boulot. Ils ont fait un boulot de reverse engineering, ils ont expliqué, ils ont documenté ce que le fabricant ne fournissait pas comme information. Et ils ont fait un outil qui marche bien, mais avec un langage particulier, un
un mode d'utilisation qui est un petit peu compliqué. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, on va l'intégrer dans Colab et on va faire quelque chose d'utilisable. Donc du coup, on en arrive à avoir une carte qui, pour fonctionner, ma câble réseau, ma câble Ethernet, j'ai fait du DHCP, fourni une IP, le setup est terminé, on peut travailler. On n'a rien installé. D'ailleurs, on a tellement rien installé que sans filet, je vais vous faire la démo, c'est un ordinateur que je ne connais pas, j'ai jamais travaillé avec. Et il n'est pas à moi, j'ai rien installé dessus. Donc la carte me donne son IP. Je tape IP de la carte. De base, pour une petite interface web, on s'est dit qu'est-ce que les gens auront de façon un peu plus systématique, un navigateur web. On va mettre tout dans une page web. Donc si on veut travailler, il y a de base, dans le petit serveur qui est embarqué dans la carte, un certain nombre de fonctions qui permettent de charger des fichiers dans le FPGA si on a déjà travaillé localement sur son ordinateur, qui permettent d'envoyer des commandes SPI si on veut envoyer des datas au design, à l'application que l'on a mis dans le FPGA. C'est une interface qu'on peut aussi accéder depuis des scripts, donc si vous voulez travailler en Python, en Lua ou n'importe quoi, vous avez juste des requêtes HTTP à faire, vous pouvez envoyer des données. Et on a intégré une partie éditeur en ligne qui fonctionne dès qu'on annexe Internet, qui devrait fonctionner dès qu'on annexe Internet, voilà, et qui permet de travailler sur la carte. Donc là, ça ne s'est pas forcément vu, parce que justement, comme on a cherché à masquer toute la complexité, tout ce qu'il y avait au départ, c'est embarqué dans le serveur de la carte. À partir du moment où j'ai cliqué sur le petit nuage, là, je suis en train d'accéder à des outils qui sont en ligne. Donc il y a une partie d'éditeur qui est en ligne, mais on s'est dit, voilà, on ne va pas s'embêter à dire à l'utilisateur, d'un côté, vous avez un éditeur, d'un côté, vous avez le site, d'un côté, vous avez le machin. C'est intégré dans la même interface, et donc du coup, la carte s'est authentifiée sur le serveur, donc il ne va pas demander de login, il ne va pas demander de mot de passe, il ne va pas demander qui je suis. Je n'ai pas besoin de donner mon pedigree pour utiliser le système. Le serveur a juste identifié que c'est une carte qui est connue, donc on lui laisse accès. Donc si on veut créer un nouveau projet, on va créer un projet PLOP. Donc de base, alors je suis passé vite, mais on peut démarrer un projet from scratch, mais on s'est dit, bon ben voilà, on va commencer par proposer des exemples, les gens pourront partir d'exemples. Donc ça, c'est l'étape aujourd'hui. Le mois prochain, je pourrais vous montrer la même chose avec des tutoriels pas à pas. Donc on prend un exemple, par exemple K2000. Ça crée mon projet PLOP. Et ici, je me retrouve avec un éditeur. Alors, on peut dire c'est joli, c'est pas joli, peu importe. Je me retrouve avec un éditeur qui me permet de taper du code et mon premier projet qui est déjà dispo, qui est accessible ici. Je veux faire la compilation ou quand on parle FPGA, la synthèse. On a mis de base quatre boutons qui permettent d'appeler toutes les fonctions de base quand on a un accès Internet. Il y a une époque où on était plus patient quand même. Ah, mais c'est dur de dire, je vous propose un outil super simple et quand il y a un accès internet un peu lent, ça. Je sens que je vais pas réussir à faire ma démo. Je vais lui laisser une chance. Donc quand on a un accès internet rapide, l'idée c'est on a les quatre phases qui permettent de passer du code à au fichier cible qui sera chargé sur la carte. Et à la fin, si on fait charger FPGA, ça envoie directement, donc ça va récupérer sur le serveur distant, ça processe, enfin, ça récupère le fichier dans le navigateur, ça l'envoie à la carte, et ça tourne et on peut travailler. J'ai rien eu installé sur la machine, j'ai eu besoin d'aucun outil, et de base, ça a configuré l'environnement de travail pour cette carte-là, côté serveur. Je vais laisser tourner, puis on y reviendra si vous voulez. Sur l'avance. Donc, comment ça fonctionne? En quelques mots. En fait, l'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, il y a deux approches qui sont utilisées généralement. C'est soit on installe des clients lourds sur la machine, on installe un programme, on installe un package, on installe une archive, peu importe, soit on a des systèmes qui sont complètement dans le cloud,
avec une interface quelconque, avec du JS qui clignote partout. Et entre les deux, il n'y a rien. Et peut-être qu'on pourrait faire un peu à l'entre-deux. Donc, l'idée du fonctionnement de Collab, c'est de dire, OK, on installe un serveur web qui permet à la carte de fournir de l'information de base. On dispose d'un navigateur qui est capable de faire des opérations riches, parce que maintenant, on peut se permettre de charger un petit peu de JS sans que ça pose tant de problèmes de compatibilité et sans que ça fasse hurler les plus puristes. Et on veut utiliser des systèmes qui sont distants, là où on dispose potentiellement de plus de puissance de calcul. Donc le fait de fonctionner comme ça, ça présente aussi un autre avantage, c'est de pouvoir garantir aux utilisateurs qu'on respecte leurs données. C'est-à-dire qu'à aucun moment, une carte, dans ce que nous on fournit, après libre aux gens de les hacker, de faire ce qu'ils veulent, à aucun moment une carte ne va accéder à Internet. C'est toujours le navigateur de l'utilisateur qui va accéder au serveur web de la carte, et le navigateur de l'utilisateur qui va aller accéder aux éléments distants. Et en fait, du coup, on va utiliser des ressources JS, on va faire tourner dans le navigateur pour faire de façon transparente la passerelle entre les deux. Donc du coup, on a tout ce qui est applicatif lourd, les compilateurs, les outils de synthèse, les outils métiers, les outils spécifiques qu'on va déporter. Ok, ça tourne dans le cloud, on s'en préoccupe plus, ça ne pose plus de problème de maintenabilité, et s'il faut garder une IPC5, on peut la mettre dans une machine virtuelle ou dans un conteneur quelconque qui se tourne sur un serveur. Pour tout ce qui est travail, édition, représentation de l'information, présentation des données, joli diagramme, on peut faire ça en JS et profiter du meilleur des technos, côté plutôt web. Et du coup, on se retrouve côté de la carte à avoir juste une petite passerelle à Internet pour faire la communication et faire le lien en fait entre les designs de l'utilisateur et la cible sur laquelle il va vouloir travailler. Donc, on a trois entités, la carte, le navigateur, le système distant. On va essayer de mettre à profit les trois pour créer des applications les plus riches possibles et surtout pour répartir, parce que les uns et les autres sont les meilleurs, ce pourquoi les uns et les autres sont les meilleurs. Autre avantage, alors j'en ai pas parlé, mais je suis un peu ma pub là pour le coup, mais enfin ça peut donner l'impression que je suis un peu ma pub, mais on s'est complètement débarrassé de la problématique des ports de communication. C'est-à-dire à partir du moment où on se dit, on va considérer que Ethernet, ça nous va bien. Là, on a intégré la petite puce qui va bien, qui nous permet de transformer une liaison Ethernet en l'occurrence, un port JTAG et un port SPI et un UART, parce qu'il y a besoin de tout ça pour piloter la FPGA. Si on voulait faire la même chose vers une machine industrielle, je vous montrerai qu'on a aussi d'autres boîtiers qui sont open hardware, open source, pour lesquels on a fourni toutes les informations, qui permettent de faire le lien entre un port Ethernet et l'automate Schneider, et le système de rideau Snomfy, et la centrale domotique Legrand, et tout ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est voilà, on peut empaqueter tout ça dans une jolie passerelle, et miracle des technologies, on n'a plus besoin d'être à côté de la machine qui fait 100 dB en permanence pour pouvoir continuer à travailler dessus. On a un port Ethernet, on peut aller dans le bureau d'à côté, on peut aller à l'étage du dessus, on peut travailler de chez soi, parce que qui a déjà essayé de travailler de chez lui sur un système embarqué quand il faut que la carte électronique reste au bureau, c'est assez compliqué. Là, du coup, on n'a plus que des problèmes de comment est-ce qu'on fait transiter les données entre les différents intervenants. Donc, à travers cette expérimentation, à travers Ecologic et ce qu'on a fait depuis quelques mois, déjà, on a réussi à montrer un premier truc, c'est que ça marche. On a réussi à montrer un premier truc, c'est que cette idée qu'on avait un peu sur un coin de table en se disant mais est-ce qu'on ne peut pas mettre à profit un petit peu toutes les technos, on a réussi à se valider auprès de nous-mêmes et aussi auprès des personnes à qui on a commencé, alors dans un environnement super proche, en parler, que c'était pas déconnant, ça fonctionne. Et que du coup, il est vraiment aujourd'hui possible de déporter des outils là où on en a besoin. Donc, on s'est dit, ok, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est peut-être d'en parler. Et donc, c'est pour ça que, à partir de ce mois-ci, et donc à partir d'aujourd'hui, ceci est la première présentation publique de Collab, à partir d'aujourd'hui, on a décidé d'en parler un petit peu autour de nous et vers d'autres gens qui ne sont pas dans le cercle proche. Donc,
Aujourd'hui, c'est une première, c'est une primeur. La semaine prochaine, pour ceux qui vont à Passage en Seine, il y aura une présentation par Sampi qui sera faite. Et donc, on propose à tous ceux qui le souhaitent de nous rejoindre, de faire des choses avec nous, de contribuer, de participer, de faire tout ce qu'ils veulent. Et à côté de ça, on propose quand même aussi une roadmap des fonctions à venir pour proposer de nouvelles cartes, c'est-à-dire proposer des choses encore plus pré-utilisées. Donc là, aujourd'hui, on a fait la démo avec des FPGA, mais demain, on fera la même chose avec des petits CPU, donc pour avoir du Arduino-like, pour avoir du Raspberry Pi-like, pour avoir des choses comme ça, mais qui embarquent directement la techno. Et l'idée, ce serait qu'à partir de 2017, on puisse proposer la plateforme complète. Parce que en fait, ce que je ne montre pas derrière tout ça, c'est que la plateforme de service, là, je vous ai présenté, enfin j'ai essayé de vous montrer l'accès en embarqué depuis la carte. On peut aussi y accéder en tant que site internet. Et donc, du coup, on peut faire un certain nombre d'autres choses. Et l'idée, c'est de dire, d'autres gens, pour des projets auxquels on n'a pas pensé, veulent utiliser ce système où on va déporter sur un serveur distant des outils métiers compliqués, on va commencer à le proposer à des tiers. Et alors là, ça pose un certain nombre de questions, mais je suppose que vous n'allez pas tarder à m'interroger là-dessus. Ça pose un certain nombre de questions sur les modèles économiques et comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette livraison, parce que donner de la puissance de calcul, ça pose un certain nombre de contraintes. Mais l'idée serait qu'à partir de 2017, on propose ça en tant que service. Voilà. En quelques mots et en super résumé, collab. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question plus sur écologique. Oui. Et sur les FPGA. Oui. Alors je suis plus du côté industriel, on va dire. Donc, tu parlais d'un machine leader. J'en ai touché un il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est une marque qui est. Alors, c'est les automates logo. Où ça parlerait. Sinon, dans l'idée, c'est que c'est la programmation graphique où en fait on va passer des portes logiques, pas des portes logiques, du coup il y a deux fonctions spéciales, des timers, des temporisations, des relais, des bascules. Je voulais savoir, est-ce que le fonctionnement qu'on aurait d'un automate programme comme ça, ça revient à FPGA, entre guillemets Ça peut. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de l'automatisme, parce que là, ça tient plus de l'automatisme, donc on est plus donc soit dans la représentation graphique, soit dans des langages type ladder, ST, des choses comme ça. En fait, derrière, ces représentations d'automatisme, elles sont transformées pour fonctionner sur un matériel. Et effectivement, il y a les deux cas qui existent. Il y a le cas où, là-dessous, c'est un processeur qui va avoir une grosse boucle, c'est-à-dire je fais ça. Ce qui d'ailleurs occasionne des limitations, par exemple sur les temps de réaction des IO, enfin des entrées ou des sorties des automates par exemple. Enfin, parfois c'est pas forcément super réactif, et quand on veut que ce soit réactif, ça fait des automates qui sont chers. Et il y a l'autre approche, c'est effectivement, on peut mettre ça directement dans des FPGA, et aujourd'hui il y a des automates qui fonctionnent sur des bases purement FPGA, qui sont, avis tout à fait personnel et qui n'engage que moi, à des prix exorbitants, pas du tout justifiés, mais qui effectivement permettent d'avoir une super réactivité, une prédictibilité parfaite, parce que du coup, comme c'est câblé, c'est mathématiquement prouvable, la réaction et la réponse est mathématiquement prouvable, les deux cas existent. Effectivement, on est sur des langages, sur des métalangages de représentation qui peuvent après aller vers du logiciel ou de la logique câblée comme l'FPGA, les deux étant possibles. Okay. Et j'en profite parce que il y a un super projet français qui existe, qui s'appelle Berimise, qui est un outil pour faire de l'automatisme, qui est un outil totalement libre et qui est fait pour faire de l'automatisme et qui supporte les différents langages de la norme I3C61, je ne sais plus combien, qui sont le ladder, le ST, il n'y a pas le Graph7, enfin, les langages de la norme de base. Je pourrais envoyer sur la liste aussi, il y en a qui s'intéressent, je pourrais envoyer les liens vers Berimise, parce que pour le coup il y a des Français sont super bons dans l'automatisme. Ouais. Tu disais que le code n'allait pas sur les serveurs distants, ce qui pouvait poser des problèmes de confidentialité notamment. Sauf que du coup, tu le compiles comment s'il ne va pas sur ton serveur cloud pour revenir après l'aller-retour, comment tu garantis qu'il n'y ait pas de problème? Parce que je sais que ça peut poser des problèmes, notamment dans tout ce qui est industrie un peu top secret et tout.
Alors, il ne me semble pas avoir dit, ou je me suis mal exprimé en disant que ça ne va pas sur un serveur distant. C'est pas que ça ne va pas sur un serveur distant, c'est que on essaye de proposer une structure qui permette de laisser l'utilisateur et le développeur au centre. C'est-à-dire que si à un moment donné, la personne elle enlève son laptop, il n'y a aucun lien qui existe, il n'y a aucun paquet qui peut être transféré depuis un serveur quelconque et depuis la cible. L'idée, c'est vraiment que l'utilisateur soit la passerelle, parce que c'est logique en termes de travail et parce que c'est sécurisant en termes de données. Maintenant, effectivement, quand on va travailler, si on a un outil qui est distant, bah forcément la donnée, elle va partir, elle va être envoyée sur le serveur le temps de faire le calcul. Alors, comme aujourd'hui, on est sur une approche plutôt ouverte en disant, voilà, on a un bel outil, on le propose de façon collaborative et pour des projets plutôt ouverts, dans un premier temps, la question ne se posait pas. Maintenant, on est bien conscient que si on commence à le proposer de façon plus large, il y a probablement des gens qui me poseront la question, bah, mais je veux protéger mes données ou je veux faire gaffe. Donc il y a deux réponses qu'on sait apporter à ça. La première, c'est de dire, bah, on peut avoir plusieurs nœuds de calcul. Et on peut dire, bah, voilà, si vous avez des données qui sont vraiment confidentielles, on peut les mettre sur une machine, chez OVH ou chez n'importe qui d'autre, peu importe, sur une machine qui contient le moteur Colab, mais sur lequel il n'y a que les données d'un groupe d'utilisateurs, d'une entreprise, d'un client, peu importe. Donc voilà, étape 1, on peut dire voilà, les données, elles sont que sur une machine qui est privatisée. Alors, reste le problème du canal de communication. Le canal de communication, c'est à concurrence de la confiance que l'on met dans SSL ou pas. Pour les structures vraiment sensibles, rien n'empêcherait de dire, bah, ok, si les gens ils ont des données qui ne doivent pas sortir du bâtiment, on peut très bien mettre ça dans un appliance. C'est-à-dire que ce qu'on fait sur un serveur cloud, de le mettre sur un serveur qu'on met dans la baie chez la personne, enfin chez dans l'entreprise ou le groupe ou le home, parce qu'il n'est pas relié au reste d'Internet, on peut le mettre localement et du coup accéder sur le réseau local aux différents services. Donc l'idée, c'est de permettre de simplifier la vie aux développeurs. Et puis après, bah, peut-être que ça va compliquer un peu la vie des admin systems. Ah, il y a plusieurs configurations possibles, le principe pouvant rester le même. Embed, ils font marche arrière. Ils font, c'est une question ou une affirmation? Je crois qu'ils avaient prévu, c'était proposé en tout cas, de fournir tout ce qu'il faut pour arrêter de le faire en ligne, parce que c'est un peu pénible de le faire en ligne et d'être limité, dépendant d'une connexion internet qui ne marche pas, par exemple. Ça peut être limitant par certains aspects. Après, c'est effectivement okay. C'est le choix qu'on fait quand on va vers ce genre d'outil. C'est-à-dire que quand on dit on va vers, si je devais faire un parallèle avec des outils plus classiques dans le reste du monde, c'est sa messagerie. Est-ce qu'on installe Thunderbird ou est-ce qu'on a un webmail? Quand on a un webmail, bah, on admet qu'on ne peut pas lire ses mails si on n'a pas l'accès internet. Bah là, l'idée, c'est, on peut dire, bah, effectivement, s'il n'y a pas d'accès à Internet, la partie, tout ce qui est édition en ligne, on n'en dispose pas. Maintenant, avant de cliquer sur le petit bouton, il y a un certain nombre d'outils qui étaient dans le serveur comme marqué dans la carte. On pourrait très bien dire, on peut mettre l'éditeur de code dans la carte, puisque c'est à la limite que du JS qu'on va servir au navigateur, puisque la partie édition, elle se tourne dans le navigateur, et que ce n'est que la partie compilation, ou en l'occurrence dans le cas d'AppDeja, synthèse, qui devra avoir une connexion Internet. Alors, je suis passé vite là-dessus, mais pour ouvrir un petit peu sur cette remarque-là, on est en train de dépenser pas mal d'énergie sur EmScripten. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. EmScripten, c'est un compilateur qui s'appuie sur LLVM et qui permet de compiler du code C et C++ en JS en utilisant le ASM.io. Et donc, virtuellement, tout outil dont on dit, pour lequel on dispose des sources, donc libre ou pas, mais il faut avoir les sources, on peut envisager de le faire tourner dans le navigateur. Donc, on peut envisager de l'embarquer sur la carte et de le faire tourner purement dans le navigateur. D'ailleurs, le gars qui a fait Yosys, donc une petite synthèse du FPGA, il a fait, pour le fun, une version qui tourne purement dans le navigateur. Alors,
c'est un peu lent, parce que du coup, il y a beaucoup de calculs matriciels et que le JS n'est pas forcément adapté à ça. Donc, c'est un chouïa lent, mais éventuellement, on peut le faire. Donc, on peut, si à un moment donné, on a suffisamment de gens qui nous disent on voudrait que ce soit complètement standalone, on peut se dire aujourd'hui, on a du stockage local, on peut mettre un peu de stockage local avec un navigateur, on peut héberger les projets, on peut faire tourner des applications riches en JS dans le navigateur. Donc, on pourrait dire, s'il n'y a pas l'accès au cloud, on peut avoir un fallback sur des applications qu'on fait tourner dans le JS. C'est techniquement imaginable. Alors, on n'est pas allé jusque-là, parce que, en l'occurrence, nous, notre objectif d'investir du temps sur MScripten, c'est plutôt pour déporter certains outils qui sont déjà disponibles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à réinventer la roue. Donc, à partir du moment où on dispose d'outils qui sont sympas, par exemple, pour de la représentation de données, alors on n'a pas encore été vraiment vers l'automatisme, mais ce sera un petit peu le même genre de choses. On pourrait imaginer faire de l'automatisme avec des représentations graphiques dans un navigateur. L'idée, ce serait de dire, si ces outils existent, on peut utiliser le MScripten pour les mettre en JS et les faire tourner dans le navigateur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Après, si on arrive à faire plus fort que ARM, j'aurais tendance à dire, c'est soit que en fait, il y a une montagne qu'on n'a pas encore vue et face à laquelle on est en train d'arriver très rapidement. Soit c'est juste que ce n'était pas suffisamment rentable pour qu'ils veuillent continuer dans cette direction-là. Mais mon avis tout à fait personnel, c'est que la tendance serait plutôt d'aller vers du plus connecté que du moins connecté. Merci à tous. Merci.